Salut Cérou, dans cette leçon, on va apprendre à différencier les motifs rythmiques triolés et double croche et je vais vous montrer des exercices et des phrases pour les incorporer dans des solos de guitare. C'est parti! Bonjour à tous, je vous retrouve donc avec très grand plaisir pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre à incorporer des motifs rythmiques dans des solos de guitare. Alors la première chose, et c'est une question qui revient assez souvent, ou quelque chose du moins qui remonte en général de la part de mes élèves, c'est qu'il y a une certaine confusion à différencier de manière précise les doubles croches des triolés. Dans cette leçon, je vais vous montrer des exercices pratiques pour les comprendre, les assimiler et ensuite les utiliser, les mettre donc en pratique dans des solos, dans des improvisations. Nous allons donc démarrer par un petit exercice tout simple. Je vais mettre le métronome et je vais vous demander de compter des croches avec moi. C'est parti. Nous sommes à 60 BPM et nous allons jouer la corde de mi aigu à vide à la croche. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Le motif des croches est en principe un motif que vous maîtrisez, je l'espère. Attention toutefois, certains au début font l'erreur de les compter trop proches les unes des autres, c'est-à-dire de faire. Attention à être bien régulier, à remplir de manière juste et équitable, eh bien, chaque battement 1 et 2 et 3 et 1 etc. etc. Donc le premier exercice pour le mettre en pratique dans des solos de guitare, eh bien, c'est de jouer deux notes distinctes. Donc on va prendre la huitième case avec le petit doigt, corde demi-aigu. Et la cinquième case avec le doigt numéro 1, corde demi-aigu. Vous pouvez le jouer en aller-retour ou jouer en aller strict, on va dire ça comme ça. Donc ça va faire 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5. Alors on est toujours sur des croches. On va le jouer donc avec le métronome, ce petit motif. 1, 2, 3, 4. 8, 5. Une alarme de pompier, ça me rend fou ce motif. On va passer au motif suivant. On attaque maintenant les triolés. Les triolés sont un petit peu complexes à compter au départ puisque vous devez loger trois notes à l'intérieur d'un battement. Ne faites pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il ne doit pas y avoir une note plus longue qu'une autre. Nos trois notes, nos trois attaques de médiator doivent avoir exactement la même longueur et ça c'est un petit peu abstrait pour certains. Au départ, ça demande donc de la pratique puisque c'est quelque chose qui est assez complexe à mémoriser. Donc ne vous affolez pas si vous voyez que ça ne rentre pas immédiatement. Donnez-vous du temps et je vous assure que ça va venir. Donc c'est parti pour un exercice de corde à vide, des triolés de croche au métronome. 3, 4 et 1, 2, 3. Notre précédent motif, en note jouée, cette fois sur le manche, nous avions 8-5. Et cette fois-ci, pour simplifier la chose, on va rajouter la corde demi-aigu à vide, donc une troisième note, pour avoir trois notes à l'intérieur d'un seul battement. Et comme c'est un motif en triolet de croche, eh bien ça devrait être relativement simple. Je vais vous le jouer une première fois. 3, 4 et 1. Etc. Alors, cet arpège, car oui, chers amis, il s'agit bien d'un arpège de La mineur. Les notes sont La, cinquième case, corde de mi aigu, Do, le petit doigt à la huitième case, corde de mi aigu, et le Mi à vide. Alors qu'il y a une différence, il y a une petite différence de hauteur. Maintenant, c'est pas important.
et nous allons le jouer donc en mode descente, c'est-à-dire Do, La, Mi, Do, La, Mi, Do, La, Mi. Donc vous allez le jouer au médiator, en aller strict vers le bas. Une fois que vous êtes à l'aise, en aller-retour. 1, 2, 3, 1. Alors vous noterez que le sens de l'attaque change au fur et à mesure, puisque vous avez bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc ça, ça remêle un petit peu les pinceaux. Ne vous inquiétez pas avec ça. Peut-être le plus simple, ça va être de le travailler en pull-off simplement avec une seule attaque de médiator au début du battement. Et c'est ça qui va vous aider à vous repérer. En fait, c'est cette huitième case. Notre huitième case corde demi-aiguë, eh bien, elle tombe à chaque fois sur le battement. Donc, vous allez pouvoir vous repérer dans le temps avec le 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, on va le jouer en pull-off. Ça va être encore plus simple. On va avoir 1, 2, 3. Nous venons donc d'apprendre à différencier rapidement avec des motifs simples et très très basiques les croches des triolets de croches. Alors, pour aller plus vite, en général, on dit triolet et on sous-entend évidemment triolet de croche. Il peut y avoir aussi les triolets de double croche. Personnellement, à ce moment-là, je préfère dire des sextolets. Ne cherchez pas à m'avoir tournant avec mes formulations. Il peut y avoir un petit peu d'imprécision et là je vous demande de m'excuser en avance. Mais bon, triolet, évidemment, on comprend, triolet de croche, donc je ne vais pas le dire sur toute la longueur de la leçon. Nous avons donc appris ces différents motifs. Il nous reste donc maintenant à les différencier avec les doubles croches. Voyons un petit peu avec le métronome des triolets et puis des doubles croches pour ensuite eh bien, les transcrire sur notre manche de guitare. Alors, les triolets, ça donnait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh bien, les doubles croches, on va donc loger 4 notes à l'intérieur d'un battement, de manière également répartie ces 4 notes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, imaginez des notes de guitare, 4 notes de guitare. Ça peut être un moyen de les trouver. Alors, évidemment, quand on ne le maîtrise pas encore, cette espèce de compte abstraite, ça peut être un petit souci, puisqu'on a peut-être tendance à faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et là, ce n'est plus des doubles croches, ça va être quelque chose de... Vous allez resserrer, en fait, vos quatre premières notes et laisser un espace qui n'a pas lieu d'être à l'intérieur de votre battement. Donc voici le motif que je vous propose pour assimiler et mettre en pratique nos motifs de double croche, j'y arrive. C'est celui-ci. Alors, on est un petit peu tranchant au niveau du son là. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Donc vous voyez que j'ai rajouté une note, nous avions donc 8e case, corde demi-aiguë, 5e case, corde demi-aiguë, corde à vide, et là je vais revenir à la 5e case, corde demi-aiguë. Nous avons donc toujours un arpège de la mineure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors on va le jouer ensemble. Prenez votre guitare, si vous ne l'avez pas déjà sur les genoux. Et puis je vais compter 4 battements dans le vide et vous allez donc le jouer avec moi. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez que le petit doigt tombe à chaque fois sur le battement. Et c'est ce qui va vous aider à vous repérer. Ensuite, si vous êtes vraiment à l'aise, vous allez pouvoir immédiatement travailler des enchaînements avec 4 doubles croches et puis 3 triolets. Donc on va faire des répétitions de 4 pour que ce soit plus simple. Je m'explique rapidement en pratique, ça donne 1, 2, 3, 4.
etc. Donc ça, ça va être peut-être un petit peu complexe au départ. Concentrez-vous donc à travailler ces motifs-là, déjà avec le métronome à 60 BPM, et ensuite graduellement augmenter les tempos. Nous entrons donc dans la deuxième partie de notre leçon et nous allons apprendre à mettre en pratique ces formes rythmiques avec des arpèges différents. Le premier qu'on a vu donc c'était La mineur, La, Do, Mi. Et vous pouvez le jouer donc en aller-retour. Alors ça c'était pour les doubles croches. Et en hammer-on pull-off. Donc pour ce qui est du motif en hammer-on pull-off, on va regarder ça de plus près. Donc mon attaque de médiator vers le bas avec la 8e case. Petit doigt, pull-off 5, pull-off 0, hammer-on 5, hammer-on 8, pull-off 5, pull-off 0, hammer-on 8. Alors je ne vais pas re-attaquer la corde à chaque fois, ça vous pouvez le faire, donc ça donnera comme ça, attaque 8. Donc ça je trouve ça un petit peu inutile. Le top, eh bien en fait c'est simplement d'étouffer donc nos cordes adjacentes avec la paume de la main droite et puis d'attaquer une seule fois. Et donc on va compter comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Pareil, donc ça c'est triolé, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc dans ce cas-là, on ne répète pas la cinquième case, on la jouera qu'une seule fois. Attaque, pull-off, pull-off, hammer, pull-off, pull-off, hammer, pull-off. Donc quand vous le jouez très rapidement, ça donne ceci. Ce sont effectivement des triolets joués assez rapidement, là je ne vais pas vous le compter, au niveau du battement du métronome. Donc ça c'était un arpège de La mineur, et il y a un truc très sympa à faire, eh bien, c'est de décaler simplement d'une case vers la gauche, enfin vers la gauche pour moi. Donc eh bien, ça va donner un arpège de Mi majeur. Et là les notes donc sont Si, Sol dièse, Mi. Enfin bon, un arpège de Mi majeur, donc on le sait, c'est Mi, Sol dièse, Si. Donc notre arpège demi-majeur, on va le jouer en mode descente. Une attaque de médiator. 7, 4, 0, 7, 4, 0. Donc en double croche, ça donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Pour leur mise en pratique, eh bien admettons que dans un morceau, vous ayez une rythmique qui alterne le La mineur et le Mi majeur. Alors, ils sont un petit peu moches comme ça, joués avec les cordes à vide. Ils peuvent être très bien remplacés par des power chords. Et donc, sur une rythmique dans ce style-là, on va se mettre à 100 BPM. Eh bien, on va jouer nos séries. On va suivre nos accords, donc sur le La en power chord ou le La mineur, eh bien on va jouer, et sur le Mi, on va jouer, voyons ce que ça donne, donc triolet, 1, 2, 3, 4. Double croche, en aller-retour cette fois. On va donc le mettre en pratique et suivre nos accords, donc sur une backing track. C'était très très basique, donc le premier accord c'était un La mineur, et il va être sur deux mesures. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et Mi. 2, 4, 2, 4, etc.
Alors je dis la mineur parce qu'on a un accord de la mineur ouvert ou un power chord à la cinquième case. Et donc je vais jouer ma phrase en triolet 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va rajouter une petite mélodie et pareil sur le mi. Donc je vais vous le jouer une première fois et ensuite je vous explique comment ça fonctionne. Et enfin, maintenant, la même chose avec des doubles croches. Donc regardons la tablature, et bien quand on a un La mineur ou un La 5, et bien c'est plus intéressant de suivre les notes de l'accord, l'arpège de La mineur. Donc nous avons La, Do, Mi ou La, Do, Mi, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je le démarre comme ça avec un slide. Donc 3-5 avec l'index, ensuite 5e case avec l'index, donc je vais me diriger comme ça un petit peu vers le bas. 5e case, 7e case, corde de mi et 8e case. Donc là j'ai ma petite phrase mélodique et puis je case donc mon arpège, alors on va le mettre en triolet. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je laisse durer la dernière note pour me donner du temps pour me déplacer vers le deuxième accord. Alors je vais faire juste un petit slide d'une case 4-5, corde de si. Là encore, ce sont des décorations, ce sont des ornements pour enrichir le phrasé. Donc 5 cordes de si, 4 cordes de mi avec le doigt numéro 1, 5 cordes de mi aigu avec le doigt numéro 2. C'est en option, vous pouvez utiliser le doigté que vous voulez à cette vitesse-là, c'est pas très important. Et le petit doigt, 7e case, corde de mi aigu. Et notre arpège de mi majeur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là encore, c'est à vous de voir si vous voulez jouer en pull-off ou en aller-retour. Voilà pour notre leçon d'aujourd'hui, voilà donc comment nous incorporons nos motifs de triolet et de double croche dans des motifs, dans des phrases de lead guitare, dans des solos de rock. J'espère avoir su faire à la fois court, concis, mais être allé suffisamment au bout des choses. Je compte sur vous pour me dire dans vos commentaires peut-être les choses que j'ai oubliées ou que je n'ai pas assez approfondies et je pourrai y revenir éventuellement dans une future leçon ou améliorer la qualité générale de mes contenus grâce à vos commentaires, grâce à vos suggestions. Chers amis, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne, cela me fait très plaisir, à partager mes vidéos et à voter pour cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle leçon, pour une nouvelle vidéo de guitare. À très bientôt, bye bye.